présente. Now we know it's their world and your world and my world. You need me more. Find them just Félicitations, vous avez été accepté dans l'Alliance des chasseurs d'Invisimals. Mais n'oubliez pas, c'est un secret, alors sachez rester discret. Dans cette vidéo d'orientation, je vous dirai tout ce que vous devez savoir sur les êtres extradimensionnels connus sous le nom d'Invisimals. Mais tout d'abord, un petit cours d'histoire. Ce n'est pas parce que les Invisimals ne peuvent être vus dans notre monde qu'ils n'existent pas. Pardonnez cette double négation. Les Invisimals sont constitués d'une espèce d'énergie très puissante, auparavant inconnue du monde scientifique avant que... moi, Kenichi Nakamura, ne la découvre. Et c'est avec cette mystérieuse énergie ou cette aura, pour ainsi dire, que vous, les nouveaux chasseurs d'Invisimals, allez jouer un rôle. Mais tout d'abord, voilà quelques règles. Maintenant, le manuel. L'équipe élite de l'Alliance, l'équipe Z1 avec une mission spéciale. Portail activé pour explorer et trouver une... des sous-vêtements endothermiques pour vous protéger. Les gâteaux et les biscuits sont à proscrire. Oh, c'est la vidéo la plus inutile qui soit. Boucle-là, héros. Tu vas lui flanquer la trouille. Je sais pas ce qui est pire, la vidéo d'orientation de Kenny ou cette mission. Les deux sont d'un ennui. Chut. Taisez-vous. Tous les deux. En plus, c'est pas ennuyeux, c'est fascinant. On observe un Invisimals dans son habitat naturel alors qu'il ne se sait pas observer. Vous voyez? Fascinant. Croyez qu'on nous appelait les chasseurs, on devrait pas chasser quelque chose. Regarde la vidéo d'orientation. Regarde bien. Oh, je l'ai déjà vue deux fois. Très bien. Alors, quelle est la première règle de l'équipe Z1 de l'Alliance des Invisimals? Manger plus de glace. De la glace? De la glace? On est censé être une équipe d'élite. Les amis. Et alors? On peut pas être une équipe d'élite et aimer la glace. Je t'en prie, concentre-toi sur ta mission. Et bien sûr qu'on peut manger de la glace, mais c'est pas l'objet du jour. Bien sûr que si, pépite de chocolat est le meilleur parfum. Quoi que tu fasses, ne le fais pas. Jenny, c'est Sam, on arrive. Déjà, ça veut dire que la mission est... Ouais. À cause de... Ouais. Ah, je vais ouvrir les points d'accès au portail. Tout doux, tout doux, mon petit bonhomme. Ce gros méchant d'Hiro t'a bien énervé. Chut, c'est bon, ça va aller. Il y a assez de données pour garder Jasmine occupée quelques semaines. Merci, bonhomme. Où est Hiro? Je peux dire un truc? Non. Mais je suis d'accord avec toi. Sam, libère-moi!
voir encore ce que c'était, il a disparu en un clin d'œil. Comme ça. Non, attends. Plutôt comme ça. Non, plus vite comme... Wow. Lima! Sam! Vous avez vu ça? Non, ne mangez pas! Hiro, la récréation est terminée. Où est Hiro? Faites attention! Bienvenue, Zeda. Je parie que cette mission était un nouveau fiasco. Non, non, on a vos relevés. En tout cas, pas grâce à Cinglé. Je faisais que quelques suggestions afin d'améliorer la mission, quand soudain... Hiro ne se taisait pas alors qu'il était censé regarder la vidéo d'orientation. Il a couru. C'est la troisième mission qu'il saccage, trois de suite. C'est bien ça, Sam? C'est pas tout ça, mais j'ai un petit creux. Lima et le nouveau ne s'entendent pas vraiment. J'essaie de ne pas m'en mêler. Je suis un inventeur, pas un boxeur. Doucement, Lumba. Donne. Donne. Oh, mince. Monsieur? Qu'y a-t-il? J'aimerais émettre une plainte officielle section 5 contre un certain coéquipier. Un certain coéquipier? Un certain coéquipier qui en est déjà à sa troisième mission et qui ne se considère toujours pas comme faisant partie de l'équipe. Membre de la Z1. Très bien. Je considère ta plainte contre Hiro. Un certain coéquipier. Si tu veux bien m'excuser, je dois mettre à jour mon système de sécurité. Jasmine, renvoie-moi ces petits à la maison. Comme si c'était fait. Équipe Z1, préparez-vous au départ. Très bien maintenant. Les points d'accès sont... Instables. Et donc nous devons... Rester immobile. Sam, tu sais que tu ne peux pas ramener ça à la maison. Oh, j'avais oublié. L'Alliance possède la technologie la plus cool pour bricoler. Bon voyage, les amis. Je suis là, mamie. Oh, c'était rapide, chérie. Tu as trouvé mon médicament? Désolée, mamie. T'as mangé? Oui, chérie, merci. Je te rappelle que si j'empruntais pas tous ces trucs, tu serais pas là, compris? Il faut vraiment que je bouge ce bureau. Allô? Comment va ma future doctorante en anthropologie comparative? Bien, papa. Je t'ai réveillé. Il est 6h40 du matin, donc... Ouais. Ah, tu as 13 ans. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oh. Attends, je te passe ta mère. C'est toujours pas ma chambre, Jasmine. Otomo, oh, je suis vraiment en retard. Désolée, en retard, très... Tiens, tiens, le voilà. Merci de m'honorer de ta présence, très cher. Otto, je suis vraiment désolée. Allez, on peut quand même regarder la dernière partie et se moquer des ninjas. Laisse tomber, on a tout raté. Merci pour rien, au passage. C'est pas de ma faute. Et c'est de la faute de qui, alors? Écoute ça, j'étais dans le bus et un type a essayé de voler l'argent à... C'est ça, Hiro, c'est bon. Qu'est-ce que j'étais censée dire? Ah oui, j'étais dans un monde extraterrestre avec ces monstres invisibles et... Du coup, ils voudraient y aller. Bon, ok, c'est vrai. J'ai une copie préliminaire de la Légion de demain. Hein? C'est vrai, mon oncle travaille pour la compagnie qu'il a développée. T'es sérieux? Tu veux venir jouer avec moi? Si je veux venir?
Bien sûr que oui. Et pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Je voulais te faire la surprise. Fais voir, faut que je le voie. Pas de problème, mec. Où est mon sac à dos? D'accord, bonne nuit, Hiro. Attends, Tomo, c'était dans mon sac à dos, je te jure. Où est mon sac à dos? Je sais ce que tu penses, Kenny. Il y arrivera. J'aimerais être aussi confiant que toi. Tu l'étais, tu te rappelles? Quand on l'a recruté. Si mes recherches s'avèrent justes, il pourrait changer tout ce qu'on connaît des Invisimals. Mais si je me trompe... C'est pas possible! On est piratés! Quoi? Oh non! Quoi? Qui est-ce? Ok, du calme. Est-ce que Sam jouerait à un jeu? C'est pas Sam! Regarde! Lancez le protocole 3 de blocage. Attrapons-le! Ah! Vérifie les coordonnées du portail. Coordonnées inconnues. Tu dois l'appeler. Je sais. Je suis en plein milieu d'un truc. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Hiro! Oh! Votre information, j'étais à l'étranger. Qu'est-ce qui s'est passé? Kenny, Jasmine, est-ce que vous allez bien? Ça va. Juste un petit problème. Il s'est passé quoi? C'était quoi ce truc? C'était... Une armature de calibre 25 entièrement servico-artificielle alliée à une forme de vie. Quoi? C'est pas comme si j'en construisais une? Comment c'est arrivé ici? La principale question est d'où vient cette chose? Et que voulait-elle? Ça aussi. J'allais le dire, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Jasmine, regarde les dernières coordonnées. J'ai pisté son emplacement. Oh, enfin de l'action. Je bloque les coordonnées. On y va? Cette chose a volé mes travaux de recherche les plus importants. Ces données pourraient être très dangereuses si elles tombaient entre de mauvaises mains. J'y vais! Hiro, tu ne peux pas partir pour cette mission tout seul. Tu as raison. Alors, on y va tous. C'est l'idée. Écoutez, faites très attention. Coordonnées du portail verrouillé. Soyez prudents, équipe Z. Récupérez ces données volées et rentrez tout de suite. Attends, on y va maintenant? Mais on sait rien sur... Il nous faut un projet de mission. On a besoin d'être briefés. Il nous faut de la crème solaire. Crème solaire, bonne chance. Alors, est-ce que tu vas me dire ce que tu ne leur dis pas? Bon, on va commencer par quadriller la zone. Et les gars? Ouh! Les gars! Oh. Qu'est-ce que vous... Oh, regardez-moi ça! Voilà ce qu'il nous faut! Attendez... Je vois quelque chose. Fais voir! C'est un autre tcha-tcha-tcha! Une sorte d'oiseau invisible. Alors, c'est un tcha-tcha-tcha. Plutôt gros, ce tcha-tcha-tcha. C'est drôle à dire, tcha-tcha-tcha. Et Sam, regarde ce tcha-tcha-tcha. Une seconde. Là. Ça marche. Génial. Ces petits gadgets ont été créés pour traquer toute forme de vie. Comme ce qui contiendrait du sang, des poils, de la fourrure.
Mais grâce à quelques ajustements... Tu as construit un détecteur de métal? Oui, en quelque sorte. Ça peut pas être si facile. Bise! Ouais, une autre fois. Non. Règle d'or en ingénierie, BISE, bon ingénieur, simple et efficace, bande de gros malins. Simple. Malin. L'infusion à la camomille permet de calmer les nerfs. Non, merci, je vais bien. Comme la fois où tu allais bien après avoir fait exploser la résidence de Sébastien Campbell durant nos dernières expériences Invisimals. Je pensais avoir plus de temps. Je n'imaginais pas déjà les rencontrer. Qu'est-ce qu'on va rencontrer? Ça... Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ces extracteurs qui essayent d'envahir le monde des Invisimals. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Jasmine, je l'ignore. L'équipe Zeda? Je suis sûr que ça va aller. Hey, t'appelles ça simple? C'est quoi ce robot? Un coureur olympique de la jungle? Si on en croit le détecteur, le robot ralentit. On devrait bientôt pouvoir le rattraper. La question est, que fait-on une fois qu'on l'a rattrapé? J'utilise ma commande Z pour extraire les données de Kenny. Les doigts dans le nez. Bon, premièrement, ne dis plus ça. Deuxièmement, on va faire comment quand on sera près de lui? J'ai une idée. Oh, c'est pas vrai. Ça t'ennuierait de t'expliquer? Il est juste derrière nous. Ton plan a plutôt intérêt de marcher, quel qu'il soit. Mes plans marchent toujours. Enfin, presque. Prêt? À trois. À trois. À trois. Trois. Tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha-tcha. Tu nous expliques ce que tu fais là? Je voulais envoyer ce signal à ces oiseaux pour combattre ces robots. Tcha 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 tcha! Nouvelle règle, tu ne peux pas avoir un plan sans nous en faire part. Nouvelle règle, courez! Junglus, l'esprit gardien de la forêt, il est apparu dans des centaines de légendes de géants des bois. Dans beaucoup de cultures, Bigfoot, Sasquatch, Tsulkalu, il est sans l'ombre d'un doute l'Invisimal le plus noble et puissant qui soit. Souvent décrit dans le folklore des Invisimals, mais il n'a jamais été vu. Jusqu'à présent. Zeda au rapport. Tout va bien? Nous allons bien, Kenny. Espion maîtrisé. Excellent travail. Récupérez ces données et rentrez à la maison. À plus tard. Sam, fais un relevé de ce truc. Je reviens tout de suite. Et ouais, c'est parti! Celui qui a sauvé la mise, c'est Hiro! Tout doux. C'est bon. Ça va aller. Alors, c'est toi, Junglus? J'ai beaucoup entendu parler de toi. Je suis Lima. C'est bizarre, impossible d'extraire la moindre donnée. Non, faut pas y toucher. Bah, c'est quoi? Bah, mon déjeuner, qu'est-ce que tu crois? Ça a dû bloquer les... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est le gâteau? Parce que j'avais une part de gâteau dans mon sac? On dirait que ce machin a des copains. Géant, t'en as eu un, pourquoi pas deux de plus, hein? Deux plus trois, ça fait... cinq? Ouais!
J'ai toujours faim quand je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui est arrivé à notre géant? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que... Ne me crains pas. Sauvegarde ce cristal. Utilise-le si jamais tu es en danger, Hiro. Mais je... J'y comprends vraiment rien. Il est passé où? Le Tiger Shark. Je sais pas. Sam, appelle Kenny. Il va pas le croire. C'est toi? Enfin, ça peut pas être lui, si? Mais si, c'est lui. Mais c'était quoi cette chose? C'est qui lui? Lui c'est qui? Je veux des réponses. Jasmine va mettre la base de données en ligne. Je viens de vous l'envoyer. Tiger Shark, sans doute l'Invisimole le plus légendaire, comme le montrent ces images. L'histoire en fait souvent allusion, mais il est rarement aperçu. Et il n'a jamais été filmé. Alors mes félicitations, Sam. Et v'lan, en plein dans le mille! Dans toute l'histoire des Invisimoles, Tiger Shark ne s'est approché des humains qu'en période trouble. Je l'ai déjà vu, ça. Il se trouve au musée Soane à Londres. Il nous a dit qu'il n'y avait rien à craindre. Il vous a parlé? Ouais. Drôlement sage, l'animal. Comme une espèce de sorcier fou. Si Tiger Shark a pris contact, ça veut dire qu'il se trame quelque chose. Quelque chose de... grave.
Est-ce que ça a un rapport avec ces robots? La façon dont ils ont aspiré Jungles, c'était... Je suis pas encore sûr, il me faut plus d'informations. Et entre-temps, je décide d'annuler toutes les missions jusqu'à nouvel ordre. Hein? Tu peux pas faire ça, Kenny! Oh non! C'est trop dangereux. Si les extracteurs dématérialisent les Invisimals, je peux même pas imaginer ce qu'ils pourraient vous. Dans 5 minutes, Jasmine lancera la téléportation pour votre retour. Kenny, en tant que chef d'équipe, je voudrais faire une... Ta plainte officielle est notée, Lima. Maintenant, retournez à la maison et attendez mes instructions. Tu sais, après ce qu'ils viennent de vivre, quelques mots d'encouragement n'auraient pas été trop. Peut-être même un merci. Ah. Ah. Note 3345, version 1. Les extracteurs représentent un danger bien plus grand que je ne l'avais prévu. J'ai mis mon rapport sur les extracteurs en ligne et j'ai déconnecté l'équipe Z1. Il me semble que c'est bien pire que ce que mon équipe peut supporter. Hé, Niro, salut! C'est encore moi! Je dois admettre que j'en ai assez de n'avoir affaire qu'à ta messagerie ces jours-ci! Fais-moi signe! Le meilleur truc de tous les temps et je peux même pas lui en parler. Ok, alors, pourquoi j'ai pas parlé du cristal aux autres? Oh. Je sais pas, peut-être que je voulais y réfléchir. Si seulement je savais ce que c'était, à quoi ça sert? Mais c'est quoi? Je te jure, Lumba, un jour je te construirai une bouche juste pour que tu puisses goûter à ce délice. Lumba, réponds à l'appel. À l'huile. Hé, hey, Sam. Frérot, tu vois pas que t'es en train d'interrompre mon repas 4 étoiles? Écoute, appelle aussi Lima. Pourquoi? Appelle-la, d'accord? Lumba, appelle Lima. J'espère que c'est important, je suis en plein exercice là. Il faut retourner dans la jungle pour arrêter les robots. Bien sûr. Et puis, on n'a qu'à braquer une banque pendant qu'on y est. Oh, je peux pas l'expliquer, mais je pense qu'on doit le faire. C'est juste que c'est important. Ouais, je sais, c'est dingue. Qu'est-ce qui est dingue? Le fait de désobéir aux ordres de Kenny ou le fait d'aller combattre ces robots tout seul? Oublie, mon pote. Écoutez, vous avez vu comme Tiger Shark s'est occupé de ces machins? Il suffit de le retrouver et de le guider dans la bonne direction. Et dis-moi, comment tu comptes retrouver une créature qui n'a pas pris contact avec les humains depuis au moins un siècle? Laissez-moi faire. Notre problème, c'est comment nous rendre dans le labo de Kenny pour accéder au portail. On n'a pas besoin d'aller au labo de Kenny. Vous vous rappelez des images que Jasmine nous a envoyées aujourd'hui? Il y avait un objet qui ressemblait au portail. Dans le musée Soane. Ici, à Londres. Eh ben là, tu m'embouches un coin. J'ai un sérieux doute, là. Faites vos valises, les amis. Je vous envoie les points de téléportation. Oh, d'accord. Alors, on va faire ça. Oh, génial. Et oh, je parle toute seule, là, à nouveau. Il a pris peur parce que c'est la plus mauvaise idée de tous les temps. Attends une minute. La téléportation terrestre est un peu difficile à naviguer. En plus, c'est illégal. Tu crois qu'il voulait dire quoi quand il a dit qu'il s'occuperait de trouver Tiger Shark? Je sais pas. Oh!
fin. S'il vous plaît, pas d'applaudissements. Bon, prêt pour le départ? Bien sûr. Alors, tu vas genre ouvrir un portail maintenant? Ça fonctionne pas comme ça, un portail. Alors, comment on se rend au musée? On prend le bus. Ok. Alors, voilà ce que j'ai compris jusqu'ici. Il y a deux portails. L'un au labo de Kenny et l'autre dans la jungle Invisimole. Enfin, maintenant, il y a trois portails car Sam dit qu'il y en a un au musée. Ouais, par contre, la téléportation, j'ai pas encore tout saisi. Ouais, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi vos bus ont-ils deux étages? Comme je te l'ai déjà dit, je sais pas. Et pourquoi rouge? Je veux dire, le noir, c'est... Je sais pas. Va t'acheter un guide touristique. Chut, les gars. C'est quoi le plan? Ça m'a dit qu'il pouvait nous faire rentrer au musée. Je me rappelle pas avoir dit ça. Ok, alors quoi? On tape à la porte et on espère qu'il nous laisse entrer? Oh ouais, je suis sûre que les gardes nous offriront aussi le thé. Peut-être même des sandwichs. Ouais, je voulais être sarcastique, mais après j'ai eu faim. On se calme, les amis. Je crois que je peux passer cette porte en utilisant le Z-Com, mais il me faut une diversion. Quelque chose qui détournerait l'attention du garde des moniteurs. Pierre, papier, ciseaux. Sois prêt, Sam. Je veux pas que ça dure une minute de trop. Ça risque d'être fort. Ok, bon, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle fait? Ma poupée, où est ma poupée? Monsieur, j'ai perdu ma poupée pendant la sortie scolaire aujourd'hui. Vous l'avez vue? Trop facile, les doigts dans le nez. Ouais. Rappelle-moi de jamais te mettre en colère. Je suis bête. Ah, je viens de me rappeler que je l'ai laissé dans le bus. Vous en faites pas, je sais où est la sortie. Oh là là, les gosses. Oh, les adultes. Ok. Où est le portail? Droit devant toi. Quelqu'un a faim? Passons de parler, mon pote. Pourquoi est-ce que quelqu'un laisserait un objet aussi précieux sans protection? Près d'un distributeur automatique. Ils n'en connaissent pas la vraie valeur. Mais comment ils le pourraient d'ailleurs? Allez, venez m'aider. Ok, Hiro, c'est à toi. Il faut que Kenny quitte l'ordinateur pour que je puisse pirater l'unité centrale. No problemo. Hiro, appelle Kenny, réponds Kenny. Je ne veux pas aller à l'école, maman. Kenny, hein? C'est moi, Hiro. Hein? Hiro? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors écoute, je crois que je veux... quitter l'équipe. Hiro, s'il te plaît, réfléchis bien. Le délai n'est que temporaire. Hiro, écoute, je ne voulais pas le dire devant les autres. Mais tu es essentiel à l'équipe. C'est bon, sans toi, allons-y. Je ne pense pas que l'on puisse accomplir notre mission. Hiro, quel est ce bruit? Un jeu vidéo. Allez, je dois y aller. Tu m'as fait changer d'avis, Kenny. Merci. Hiro? Réponds, Hiro. Allô? Oh, les gosses. On a réussi, ouais. Tape là, mon pote. Les amis, tape là. Personne? Les gars, venez vite, vous devez voir ça. Ouais, t'as raison. On se félicitera plus tard. Waouh! Est-ce que c'est... On dirait les mêmes gravures qu'on a vues au portail du musée. C'est quoi ce qu'il y a écrit dessus? C'est évident. Ligne ondulée, ligne courbe, pied en forme de cœur, encoche ondulée. Quel détective, ne touche à rien.
Jamais. Sam? Flux de positronique, niveau élevé de réfractrium, pas de marque d'outil, cela a au minimum 1 million d'années. Mais c'est étrange, mon Z-com ne détecte pas d'invisimals dans ce coin. Je me demande si ces robots ne les effraient pas. Hiro? Ouais? On est là. T'as un moyen de contacter Tiger Shark? Oui ou non? Tiger Shark m'a donné ça. Il m'a dit de l'utiliser si jamais j'avais besoin de lui. Ok, attends, je récapitule. On a fait tout ce chemin parce qu'une créature hermétique, mi-requin, mi-tigre, t'a donné une sorte de petit bibelot. C'est pas un bibelot. C'est important, j'en suis sûre. Ok, d'accord. Vas-y, utilise-le. Dis à Tiger Shark qu'on est là. Ok, d'accord. Allô? Allô, Tiger Shark? Tu m'entends? À toi. Hiro, je suis content de t'entendre. Chut! Ces machines se rapprochent! Hyper vite! Tous à couvert! Les robots, ils arrivent par ici. Combien? 4. 3 contre 4, j'aime pas ça. Alors taisons-nous, peut-être qu'ils partiront. De l'Alliance. Ah, peut-être qu'on devrait dire au X-Tractor ce qui perce trop vite. Est-ce que vous pouvez percer moins vite? On essaye de s'échapper. Eh oh, je rigolais. Ça semblait une bonne idée. Kenny, t'es là? T'appelles Kenny? Tu rigoles encore, j'espère. Kenny, réveille-toi tout de suite. Kenny, Jasmine, y a quelqu'un. On a besoin d'être téléporté vite. La fréquence d'urgence. Kenny! Est-ce que c'est la fréquence d'urgence? Ça vient de l'équipe Z1. C'est pas possible. On les a renvoyés chez eux. Alors qui est-ce? Ok, alors... Vous fâchez pas? Me fâcher? Pourquoi est-ce que je... Où êtes-vous? Vous y êtes retourné? Lima, es-tu en danger? C'est une longue histoire. Ouais, grave danger, très grave danger. Je vois... De multiples extracteurs dans les environs. Mais que font ces enfants? Sauve-les d'abord, tu crieras plus tard. Ok, Lima, on vous envoie un point de téléportation. Il se trouvera à 6 mètres nord-ouest. C'est derrière le mur! Oui, là où les extracteurs se trouvent. On ne peut pas faire mieux. Il y a trop d'interférences. Il faut que vous y arriviez. Ok, change maintenant. Retrouvez une issue de secours. Réfléchis, Lima, réfléchis. Il doit bien y avoir une porte ou quelque chose. Le berceau du pouvoir se cache à l'intérieur. Tiger Shark entrevoit le chemin de la voie secrète. Tiger Shark, berceau du pouvoir, voie secrète, t'en as d'autres des comme ça, Lima? Les amis, on doit faire vite! Tiger Shark entrevoit le chemin. Hiro, utilise le cristal sur l'œil! Des escaliers? On les a réceptionnés? Pas encore. Et la téléportation devient instable. Je sais pas si elle restera ouverte encore longtemps. Allez, où êtes-vous, les enfants? C'est le temple par là-bas! Alors, ça veut dire... Par là! Non, attendez, par là! Le point de téléportation est là! Ils nous ont vus!
je perds la synchronisation dimensionnelle. Répondez. Qu'est-ce que ça veut dire? Le point de téléportation se ferme. Qu'est-ce qu'on fait? Cours plus vite. Je cours aussi vite que je peux. Je suis informaticien, moi. Je transfère toute énergie jusqu'au dernier point de téléportation. Que se passe-t-il? Les points n'ont jamais été calibrés pour plus d'une personne à la fois. Ils sont trois. Attends. On est mort? Je suis un fantôme? Aïe! Les fantômes, ça n'a pas mal. Avant que vous vous fâchiez, on veut juste vous dire... Ce qui compte, c'est que vous alliez bien. Attends. Non. Je veux entendre ça. On est... désolé. Salle de conférence. Il est content que vous n'ayez rien. Tout de suite! Hein? Eh bien. Je voulais retourner pour trouver Tiger Shark, alors j'ai demandé à Ira et Sam de m'aider à trouver le portail et... Tout est de ma faute. Hein? Hein? Premièrement, nous cherchions à récupérer le portail que vous avez trouvé au musée. Donc, bon travail. Deuxièmement, en travaillant en équipe, vous avez prouvé que chacun d'entre vous est un des meilleurs membres que l'Alliance ait jamais eu. Mais vous avez aussi prouvé que l'on ne peut pas vous faire confiance. Donc, dès à présent, j'annule le programme de l'équipe Z. Mais, Kenny... Je n'ai pas le choix. Les extracteurs... C'est la troisième fois que tu les appelles comme ça. Depuis quand tu connais leur existence? Ce n'est pas... L'Alliance existe pour... Ce que je veux dire, c'est... Ce cristal m'a été donné par Tiger Shark, à moi. Il nous a guidés vers l'autre monde et nous a aidés à nous échapper. Personne dans l'Alliance n'en connaît plus sur les Invisimals que moi. Qui d'autre peut lire leur hiéroglyphe sans un traducteur? Et le pare-feu de l'unité centrale a besoin d'une mise à jour. Sérieux? Ils n'ont pas tort, Kenny. C'est trop risqué. Et je vais garder cet objet. Rentrez à la maison. Reposez-vous. Je lui parlerai. Diva, on est en retard pour l'iconologie avancée. Tu es réveillée? Sam, tu es là? J'ai besoin de lait pour prendre mon médicament de midi. Je suis désolé, mamie. J'avais oublié. Je reviens tout de suite. Merci, Samy. Tu prends bien soin de ta vieille mamie. Wow. Otomo est là. Tu étais censé le retrouver au cinéma? Vas-y, monte, mon pote. Yo, il faut qu'on parle. Hiro, tu me dois vraiment une explication. Alors, t'as rien à me dire? Qu'est-ce qui t'arrive? Dernièrement, t'es vraiment pas un bon copain. Tu veux pas parler de ça? Ce drôle de pull que ton grand-père t'a donné? Pourquoi est-ce que je voudrais parler de ça? Hiro, je suis sérieux. Son aura n'est pas limpide. Il ne peut pas me voir dans ce monde. Que veux-tu dire? Il ne peut pas te voir? Ni m'entendre. À moins que je ne souhaite me faire voir. C'est mon nouveau geste de jeu vidéo. Je dis, que veux-tu dire par tu ne peux pas me voir? Et je me faufile près du méchant et je fais yaha. Tu vois? Hey, cool! C'est quoi ce truc? C'est une nouvelle manette de jeu vidéo. Je teste la version bêta pour mon oncle. En parlant de manette, dis donc, t'as la mienne depuis au moins 6 semaines.
Écoute, je te promets de te la rendre bientôt. Et on se verra aussi pour faire des trucs ensemble, ok? Désastre évité. Non, Hiro, le désastre a déjà commencé. Ok, il est parti. Mon lit! Hiro, il y a des affaires plus pressantes à discuter. Plus pressantes que le fait que mes parents vont me faire payer pour ce lit? On doit retourner dans mon monde. Il faut sauver le berceau du pouvoir de la main de ces démons métalliques. Attends, tu crois que je vais partir avec toi tout seul pour combattre des robots? Tu dois avoir un lapin mélangé au tigre et au requin, toi. Tu es toujours fâché à cause du lit? Que se passe-t-il, Hiro? Ok, mais tu vas pas le croire, je te jure. Hiro, qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, je vois un point de téléportation non autorisé qui se forme dans le coin. Et un niveau d'énergie qui indique un... Invisimol. Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Ok, alors, voilà le truc. Alors, Tiger Shark est ici, maintenant, dans ce labo. Juste à côté de moi, il dit salut. Bon, d'accord, il dit salutations. Attends, je croyais que les humains pouvaient pas voir les Invisimals sur Terre. Normalement, non. Pas sans aide. J'ai conçu ce labo avec un résonateur d'aura spécifiquement modifié. Salutations, membres de l'Alliance. Ouais, comme ça, salutations. Régale, n'est-ce pas? Comme un gosse dans une confiserie sur une montagne russe remplie de petits chiots. Malheureusement, ma force vitale est réduite. Quand l'énergie d'un Invisimol est épuisée, ou défiée lors d'une bataille avec un autre Invisimol, son aura retourne au berceau du pouvoir. À chaque nouvelle génération d'humains, les Invisimols choisissent un élu. Un humain à l'aura pure pour nous défendre. Le berceau du pouvoir est l'une des grandes sources d'énergie du cosmos. Si les envahisseurs, les démons métalliques la contrôlent, nous sommes tous perdus. Pour cette nouvelle menace, nous avons choisi... Hiro. Hein? Quoi? Sérieusement? Hiro? Hiro? Il doit y avoir une erreur. Je veux dire, normalement, c'est moi la chef de l'équipe. Seule l'aura spéciale d'Hiro. Un mélange d'énergie terrestre et Invisimol peut utiliser le pouvoir des Invisimols pour résister à la menace du berceau. Qui? Moi? Mon aura spéciale? Je sais, je suis cool, intelligent et beau gosse. Mais sauver deux mondes, moi? Attends, lui? Ceci confirme tout ce dont je me doutais. Mes scans ont révélé l'aura unique de Hiro. Moi aussi, je l'ai remarqué. Même avec une bonne douche, on le sentirait. Lima, Sam, Hiro... Est-ce que l'équipe Z1 est prête pour une nouvelle mission? Alors on redevient une équipe? Je sais pas. Êtes-vous une équipe? Est-ce que Tiger Shark a passé le portail? Ouais, il est passé. À qui le tour? Allez, j'y vais, à tout à l'heure. Je ne suis pas l'élu. Je sais vraiment pas quoi faire. Tu feras de ton mieux. Ou tu rendras Lima folle en essayant? Tiens donc, l'élu! Eh bien, dorénavant, il faudra obéir à chacun de mes ordres d'élu. Et pour mon premier ordre, attrapez-moi! L'alliance ne contient rien à propos d'un soi-disant élu. Et alors, Lima? T'es jalouse? Moi? Jalouse de lui? On dirait bien. On dirait quoi? Allons-y. Suis-moi. Hey! Le berceau nous appelle. Non, ça n'est pas possible. Nous arrivons trop tard. Ils ont trouvé le berceau. Il a été souillé. Waouh. On n'avait pas vu ça la dernière fois qu'on est venu. Des robots bien occupés. Qu'est-ce qu'ils font? Hein?
genre de rayon qu'ils ont utilisé pour aspirer Jungles. Que se passe-t-il? Mon énergie. Vous allez avoir besoin de bien plus pour battre Tiger Shark, les griffins. Oh oh. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? On dirait un plus grand canon. Et connecté au berceau. Tiger Shark, qu'est-ce qu'on peut faire? Le cristal. Utilise le cristal, Hiro. Le cristal. Je l'ai donné à Kenny, il est au labo. Oh, Tiger Shark! Non! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est toi, l'élu! C'est à toi de choisir! Bima, comment ça va? Mal! Très très mal! Tiger Shark n'est plus là! Les extracteurs l'ont enlevé, ils nous poursuivent! Kenny, on doit aller sortir de là! Ouvre un point de téléportation! Les extracteurs ont érigé une espèce de champ magnétique. Ça rend la région entière instable pour la téléportation. Là? Oui, Lima. Il y a une niche à 4 mètres à l'ouest. Allez-y tout de suite. Hiro, Hiro, par ici! Il ne voit pas. C'est parce que ces murs ont un revêtement métallique. Lima? Tu me reçois? Mauvaise réception. Ça tombe très mal. Faites attention, les amis. On fait tout pour vous sortir d'ici. Terminé. Tu sais, pour un élu, tu fais vraiment pas grand-chose pour nous aider. Ok. J'ai jamais demandé à être l'élu, d'accord? Et vous savez quoi? Je veux même plus être l'élu. D'accord? Voilà. Sam, c'est toi l'élu maintenant. Félicitations, mon pote. Ouais, cool. Merci. Kenny, quand ces extracteurs ont pris Tiger Shark, j'ai eu assez de temps pour les étudier un peu. J'envoie les scans tout de suite. Bien reçu. Bon travail, Sam. Écoute, c'est pas de ta faute, Hiro. Tiger Shark est parti, et moi, je suis censée être l'élu. Bien sûr que c'est de ma faute. Le cristal. Tiger Shark a dit que tu avais besoin du cristal. Sam, appelle Kenny, on a besoin du cristal. Il est peut-être pas trop tard. Là, juste là, les extracteurs utilisent un ERP pour communiquer. Tu vois, le motif se répète. Si on peut exploiter cette toute petite répétition... Kenny, il faudrait être l'un des meilleurs hackers au monde. Sam, réponds. Ici Sam, terminé. Jasmine t'envoie des fréquences com. Elles t'aideront peut-être à détourner leur technologie. Je suis trop content. Et pourtant, c'est même pas mon anniversaire. Sam! Désolé. Hiro a besoin du cristal qui se trouve au labo. Mais les extracteurs se sont emparés du portail. Et le champ magnétique des extracteurs a rendu la téléportation vraiment trop instable pour... Les amis, nous vous envoyons le cristal par micro-téléportation. Le problème, c'est que l'on ne peut pas l'envoyer où vous êtes. Il va falloir que vous le cherchiez. Là, on peut dire que tout va vraiment de mieux en mieux. Ce qui est étrange, c'est que je crois que quelque part t'es censé. Le voilà. Le voilà, Hiro, va le récupérer. Moi? Pourquoi est-ce que ça doit être moi? Ah ouais, ouais, d'accord, l'élu, compris. Écoutez, je vais les distraire pendant que vous vous dirigez vers le point de téléportation. Par ici, les boîtes de conserve! Avec l'interférence, on ne peut pas garder la téléportation ouverte bien plus longtemps. Je l'ai.
tadrouille. Allez, par ici. C'était moins une. Hacker ces machines n'est pas aussi facile que je le fais paraître. Hiro, on a besoin de toi. J'en ai assez d'entendre parler de l'élu. Non, Hiro, je crois en toi. Hein? Ok, pas vraiment, mais il me semble que c'était la seule chose à dire. Mais je crois en Tiger Shark. Et s'il dit que t'es l'élu, ou un truc du genre, alors tu dois l'être. Mais qu'est-ce que j'en fais? Je peux peut-être t'aider. Note 665, version 6. J'ai déterminé que le cristal contient du quartz ionique, conducteur d'électricité. C'est un disque dur qui contient des exabits de données. J'ai écrit une sous-routine pour accéder aux données, mais elles étaient codées. Mon seul espoir est que Laura Diro pourra la décoder. Sinon, je n'ai pas de plan B. Hiro, j'envoie la sous-routine à ton Z-com. Maintenant, la partie la plus importante vient de toi, Hiro. Quoi qu'il arrive, nous croyons en toi. Bon alors... C'est parti! Je crois que Tiger Shark a choisi le mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Quoi? C'est remarquable. Kenny, la glace frite est remarquable. Ça, c'est épique. L'énergie d'Hiro peut contourner le berceau du pouvoir. Corps d'un Invisimol, esprit d'un humain. La fusion Invisimol est réelle. Alors, combien de fois te l'avais-je répété? Mais la stabilité. Il n'y a aucun moyen de savoir combien de temps la fusion peut durer. Allô, X-Fractors, berceau du pouvoir, danger imminent, ça vous dit quelque chose? Bien sûr, rendez-vous au temple. Et ensuite? Je peux pas vous l'expliquer, mais je saurai quoi faire là-bas. T'as vraiment besoin d'une voix plus grave avec cette apparence. Je saurai quoi faire, j'y m'entraînerai. Sa détresse. Chaque Invisimol qu'ils attrapent nourrit leur centre d'énergie, rendant le berceau plus puissant. Puissant pourquoi? Moi, j'ai pas l'intention de le découvrir. Ok, écoutez. Sam, tu peux pirater un autre extractor. Je suis pas sûr, il change d'encodage en permanence. Hiro? Hiro? Oh non, ils ont pris Hiro! Rendez-vous au berceau, vite! Sérieux, tu croyais vraiment qu'il serait différent parce qu'il a changé d'allure? On peut bien espérer, non? Kenny, tu dois ouvrir un point de téléportation jusqu'au berceau pour Sam et Lima! Pourquoi les veux-tu là-bas? Est-ce qu'ils seront en sécurité là-dedans? Que doivent-ils faire? Je sais pas. Appelle ça un pressentiment, je peux pas l'expliquer. On a besoin de temps pour la téléportation. Je vais te donner un peu de temps. Il faut l'aider. Il n'a pas l'ombre d'une chance. Vous devez continuer. Les points de téléportation sont juste où vous êtes. On n'a pas le droit à l'erreur, les amis. Il ne peut pas battre tous ces robots. Ha ha! Ooh, yee-haw!
plan de coordonnées immédiat. Sautez, tout de suite! Waouh, c'est bizarre. C'est comme une garderie d'Invisimals, où ils naissent et ils renaissent. Utilise l'énergie Invisimol comme une batterie. Mima, comment on peut arrêter ça? Parfait. Oh, je me sens pas très bien. La fusion se dissipe. Jasmine, comment est-ce que tu peux me parler? Le Z-Com a été absorbé dans ton système. Hiro, écoute-moi. Tu dois continuer à te battre. Tu dois empêcher les X-Fractors d'accéder au berceau. Gagner du temps? D'accord, combien de temps? 10 minutes. T'es pas sûr, c'est ça? Oui, désolée. Ce machin stupide ne fonctionne pas. Sam, Lima, vous devez vous dépêcher. Ces boîtes de conserve technologiques sont moins bêtes que prévu. La fusion d'Hiro, elle s'inverse. S'inverse? Ça veut dire quoi? Il va être tout seul là-bas, dans sa propre peau. Inversé? J'ai trouvé. Sam, au lieu de hacker toutes ces données, il faut tout inverser. Inverse le vortex. Quoi? Tu veux dire... Si le vortex aspire l'énergie Invisimol dans ses tourbillons... On inverse le flux et... tout rentre dans l'ordre. Biz. Je suis un peu occupé, mais ok. Règle d'or des ingénieurs. Un bon ingénieur est simple et efficace, pigé. Il suffit de changer les 1 en 0 et les 0 en 1. Éteindre, allumer, allumer, éteindre, avant, arrière... Les Invisimals, alors les Invisimals se sont détruits. Et ensuite, les X-Tractors se sont autodétruits ou un truc dans le genre quand j'ai essayé de scanner leur banque de données. Vous savez, c'est comme si quelqu'un essayait de nous empêcher de savoir d'où ils viennent. Oh, je l'ai raté. Bon travail, Jazz. La mission la plus cool depuis que j'ai rejoint la Z1 et je m'endors avant le feu d'artifice. Oh non, c'est pas nécessaire. Ok, de rien. Est-ce que quelqu'un peut l'empêcher de faire ça? Attends une seconde.
Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Et le berceau du pouvoir sera reconstruit. Où le construirez-vous? C'est plus sûr que vous ne le sachiez pas. Mais pour l'instant, il faudra camoufler le portail ici. Je m'en occupe. Est-ce qu'on va te revoir? Hiro, les liens que nous avons formés aujourd'hui sont incassables. Nous nous reverrons. Quand et où, ça, je ne peux le dire. Le cristal, je l'ai perdu. Les pouvoirs du cristal ont été absorbés par ton aura. Ils seront toujours avec toi. Hiro, Lima, Sam, l'épreuve des élus ne fait que commencer. Des forces sont en marche. Des forces qui dépassent votre entendement. Pour l'instant. Algorithme de camouflage prêt. À notre prochaine rencontre, Z1. Je suis désolée d'avoir été jalouse de toi avec toute cette histoire d'élu. Lima, Tiger Shark n'a pas dit l'élu, il a dit des élus. Ça veut dire que vous êtes tous là pour de bonnes raisons. Hiro a fait ses preuves aujourd'hui. Sam, Lima, votre tour viendra bientôt. Point de téléportation prêt. Et nous le sommes aussi. Pour les Infinimals, pour n'importe quoi. Vas-y, rentre, mon pote. T'as dit que t'as trouvé ma manette? Ça te dit de traîner dans le coin? Oh, la Légion de demain? Tu l'as vraiment? Oh, tu mentais pas? Eh non. Allez, c'est parti. Juste toi et moi et la Légion de demain. Pour le reste de la journée et peut-être demain. Ouais, jusqu'à ce que tu disparaisses là où tu disparais ces jours-ci. Je t'assure que non, mon pote. T'es sûr? Sûr. Hiro, tu es censé nous contacter deux fois par jour. Hiro, Hiro, au rapport. Sur le canal 18 de la TNT gratuite.